Le camion d'Ibiza que maman elle voulait pas. Bon, nous on a décidé d'aller avec papy et mamie déjeuner chez déjeuner à V2, donc au centre commercial Vélizy 2. Voilà simplement, là je sors de la douche, donc je me démêle les cheveux, je me maquille, je les sèche avec ma super brosse Revlon et on se retrouve juste après. Je voulais vous dire aussi que j'ai donc testé hier le vinaigre de beauté, le soin Aura Mirabilis de chez Roger et Gallet. Donc c'est un vinaigre en fait que vous mettez quand vous avez la peau propre et je trouve ça vraiment extraordinaire et génial. On sent que ça picote un petit peu mais après la peau, je sais pas comment vous dire, qu'elle est reboostée à mort, un truc de ouf. Donc voilà. Alors j'ai toujours une ombre là sous l'œil, mais croyez pas hein, c'est mes cils qui font ça hein. Je suis complètement démaquillée vu que je me suis pas maquillée les yeux hier. Voilà. Donc ça c'est juste une bombe atomique, je vais en mettre tous les jours. Allez, c'est parti! Il faut descendre. Oui, il faut descendre au moins 2. C'est pas ouvert maintenant. Donc, maman! Allez! Oui! On va chercher la poussette? Oui! Je ne me colle pas derrière. Donc il est 80, on vient de partir de V2, on a mangé, vous avez vu qu'on a mangé, c'était super sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé, c'est un petit peu cher. Parce que finalement les petites assiettes, la moins chère elle est à 2,50€ et c'est des tout petits trucs. Sinon j'ai trouvé le calendrier de l'Avent d'Eliora, le animaux là. Il est cher, franchement il est cher, il fait quoi, on l'a payé, je l'ai payé 23€, 22,99€. Ouais. Franchement il est cher mais c'est le seul calendrier sans chocolat que j'ai trouvé qui était intéressant. Parce que sinon c'est que du chocolat et franchement donner tous les jours un chocolat comme ça à ma fille, non. Non, elle a 2 ans, ses dents elles sont toutes neuves, on va pas lui escrimper tout de suite même si c'est des dents de lait. Donc là on est parti pour aller à la maison, on va prendre le goûter à la maison, voilà. Bon on est rentré, ça a été un peu speed et là je viens de préparer une pâte à gaufres. Donc pour celles que ça intéresse, la pâte à gaufres c'est du lait, des œufs, de la farine, de la levure, du sucre et une pincée de sel. Donc là j'ai fait chauffer mon gaufrier et c'est parti, je vais essayer de vous proposer pour que vous puissiez voir tout ça. Il semblerait que ce soit bon, il n'y a plus personne qui parle. C'est bon papy? C'est bon. C'est bon mamie? Ouais. Et ça va être à toi maintenant bébé. Papy et mamie sont partis et je vais vous montrer, du coup j'ai acheté 2-3 petits trucs pour bébé Ellie. Alors vraiment 2-3 petits trucs chez H&M. En fait j'ai surtout pris des petits collants mais j'ai trouvé un petit pull adorable. Je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment trop beau. Regardez-moi ce petit pull. Si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Il est trop beau avec un lapin en strass comme ça et il était pas donné quand même, il était à 15€.
Donc je trouvais que c'était un petit peu, voilà pourquoi j'ai pris juste un, parce qu'il y avait d'autres modèles qui étaient adorables aussi, mais je trouvais que c'était un petit peu cher. Donc je lui ai pris celui-ci, et je lui ai pris ces collants là qui sont des collants épais avec un antidérapant, et ils sont adorables. En fait il y a comme une petite chaussure, je vais vous montrer. En fait il y a comme une petite ballerine au bout, et là vous avez les petits, ah non je croyais. Il n'y a pas les petits antidérapants, je pensais qu'il y avait les petits antidérapants. Donc là, il y a quand même les chaussures et il y a des petits points gris et ils sont assez épais. Donc ça, c'est nickel là pour le pour les bons l'hiver. Et j'ai pris aussi ceux-là qui sont un peu moins épais. Des petits motifs comme ça, genre comme tricotés. Et il y a le gris, il y a un gris comme ça aussi qui va avec. Et je trouve ça cool. Alors je lui ai pris à chaque fois un 86-92, donc c'est encore grand pour elle. Mais il n'y a pas plus petit quoi, après c'est du détail vraiment bébé. Donc voilà hein. Donc j'ai juste pris ça chez H&M. Et après je lui ai pris un truc trop chouette, mais auquel elle n'aura pas le droit avant le 1er décembre. Je vais vous le montrer. En fait je lui ai pris son calendrier de l'Avent. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Je voulais le Tut Tut Animaux. Et donc j'ai pris chez Auchan. Il n'est pas donné, hein. Je l'ai payé 22,99€ je crois. Donc je l'ai payé 23€. C'est, hop, je voulais vous le mettre comme ça. C'est donc le calendrier, le super calendrier de l'Avent. Là vous avez le petit renne. C'est Vetac qui fait ça. Et donc il y a 24 jouets dedans. Je crois pas que ce soit 24 tut-tut. Je pense pas du tout. Mais je trouvais le concept plutôt sympa. J'ai envie qu'elle mange un chocolat tous les jours au mois de décembre. Donc voilà. J'ai préféré ce concept là de calendrier. Et après quand elle sera plus grande, je pense que je lui ferai moi-même. Mais là pour l'instant, pour elle, il n'y a pas grand intérêt. Voilà, si vous cherchez un DIY, je sais que Roxane en a fait un super sympa, donc allez voir sa vidéo DIY calendrier géant, parce que c'est super chouette comme idée qu'elle a eue. Allez voir sa vidéo, elle est carrément nickel. Moi je pense pas vous faire un DIY de calendrier de l'Avent. Bon, ça a pas l'air de lui plaire, pourtant je lui ai fait de la truite, bien grillée, bien dorée et tout, et des pâtes à la crème et au fromage. Hop, tu donnes à maman ? Bon, j'ai puni Ellie parce qu'elle vient de... Au lieu de dire qu'elle en voulait plus, comme elle est fatiguée, enfin elle fait un peu n'importe quoi, elle a jeté son assiette par terre. Donc je l'ai grondée. Tu vas te mettre au dodo? Tire la vers toi, chérie, je vais t'en...